récit sans début ni fin. Le temps manque pour reconstituer chacune des épreuves. Regardez le ciel, le bord des immeubles contre le ciel. Dans les hautes vitres, la lumière du matin. En face et au-dessus, des reflets du ciel. Son propre reflet dans les fenêtres, comme une limpidité de l'air. Les jours se suivent, leur transparence, l'opacité trop claire de cette transparence, des lieux de passage, reflets de surface, des reflets vides. Écoutant dans la distance, je ne parviens pas toujours à entendre la distance. À l'écart, creuser la trace et ses textures. Au sol, les bouillonnements gris bleutés des gonflements du bitume parisien, ballonnés par une énergie souterraine, comme les racines des arbres qu'il ne parvient pas à contraindre, me rappellent ces cartes sans nomenclature qui paraissent irriguées de veines rouges plus ou moins épaisses, écorchées vives et peu de monde. Le climat est doux, il n'y a pas de doute à ce sujet. Prêt à tirer le rideau sur mes membres de phrases et conjonctions. Mais peut-être ai-je mis trop de blanc pour atteindre le mot suivant, le silence. Ceci nous amène à nouveau à la question ennuyeuse des désirs. Sont-ils intérieurs ou plutôt semblables à des pays étrangers ? Et l'attente du déjeuner, précipitée par la faim, donne à la recherche de la guillette un air de guette éperdue. Mais ce qui fait surgir est un monde qu'elle ira voir. Car elle part en excursion le temps de la tour. Là-bas, dans le monde qui l'appelle, il y a le rocher rouge de Christine. Par-dessus la tête de son père, dans les dessert, elle vit sur l'horizon sur la mer dans une ville nouvelle. Observant les lueurs lumineuses à la surface de l'eau, le manque de certitude, de direction, de durée est son propre argument. Le papier froissé dans ta poche. Sa couleur réelle est sans importance, mais sa présence révèle quelque chose d'essentiel.
chercher des indices. Chemin à faire en soi-même pour que l'écriture fasse sens. Champ de tension qui a à faire avec le souvenir, l'inconscient, les cases secrètes de la relation aux autres. La marque de sa disparition ne laissant affleurer que son envers, son empreinte négative. Les usages changeants des mots chez nous correspondent à une pâle lumière. La maison est claire, lumineuse même, comme la mémoire. Impossible de distinguer les formes et le bout de ma langue. Un souvenir nous emporte dans la rue d'une autre ville, à l'étranger. Et soudain, nous y sommes transportés tous ensemble, hier comme aujourd'hui. On s'est porté, c'est l'idée de départ. Si je vois mon passé, c'est lui qui me regarde. Ce pourrait être mon enfance. La puissance des mots, si l'on travaille avec les mots. La puissance des images, si l'on travaille avec les images. Je suis ici comme un aveugle. Le principe du souffle. Un mot suffirait, le mémoire. Le montage est un battement de cœur, une histoire de famille. Des liens d'émotions et de rythmes.